Eh bien bonjour tout le monde, c'est Maxime de la chaîne louisfranchon.fr. J'espère que vous allez très bien. Je sors ma première vidéo. Je vous montrerai un peu quelques photos de la ville. Et voilà. Sur ce, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Allez, à tout de suite. Alors on commence avec la première question que je me suis beaucoup posé la question. Comment est-ce que l'association a été créée? C'est très très simple. L'association a vu le jour en 2019. Que nous avons voulu faire, c'est faire des expositions, en gros des expositions pour faire renaître les œuvres de Louis Franchon, les œuvres qu'il a fait en peignant tout ça. Et il a fait plein d'écrits, c'est un peintre, un écrivain, tout ça. Ce qu'on a voulu faire, c'était faire renaître et reconnaître son œuvre, la vie et l'œuvre de Louis Franchon. C'était ça, donc voilà. Donc on veut, nous tout ce qu'on veut, c'est faire naître et renaître la vie et l'œuvre de Louis Franchon. Parce que l'association, c'est l'association d'un peintre célèbre des Abrins en Dauphiné. Donc voilà. Deuxième question, qui est Louis Franchon? Louis Franchon est un peintre, un écrivain né et mort aux Abrins. Il est né le 13 juillet 1908 et il est mort le 6 août 1944. Troisième question, est-ce que l'association a un site? Eh bien oui, l'association a un site qui n'est pas encore fini. Nous avons eu un petit souci avec l'autre site. Mais rien de grave, nous avons créé un autre site et nous attendons de voir si on peut récupérer l'autre site. Quatrième question, pourquoi est-ce que j'ai voulu créer la chaîne et nous avons voulu créer la chaîne de Louis Franchon? Nous avons voulu créer cette chaîne pour faire connaître sur les réseaux sociaux, donc dans YouTube, la vie et l'œuvre de Louis Franchon. Donc à chaque exposition, je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil sur le... Nous vous tiendrons informés sur les expositions. Mais je vous demanderai d'aller voir... Après, c'est vous qui décidez. Hein. Mais si vous voulez aller voir les expositions que nous faisons sur la chaîne de Louis Franchon, vous pourrez aller voir. Vous verrez qu'il y a des tas de tableaux. On expose tout le temps les mêmes. Mais on vous montrera le public. Et, je vais vous mettre tout de suite une photo sur laquelle va apparaître moi, mon gérant d'association, donc j'entourerai, je vous mettrai des petites flèches pour vous montrer qui est qui. Et puis voilà. Donc voilà. Et sur ce, je vous la mets tout de suite. Cinquième question. Pourquoi Louis Franchon voulait faire des œuvres? Ça, je n'en sais vraiment rien. Je ne sais vraiment pas pourquoi Louis Franchon voulait créer ses œuvres. Mais il a voulu faire des œuvres, je sais pas, pour... je pense que ça lui faisait plaisir. Sixième question. Où est située notre association Les Amis de Louis Franchon? Notre association Les Amis de Louis Franchon est située au 13 bis rue Jean Janin, aux Abrins en Dauphiné, 38-490, en France, bien sûr. Qui suis-je? Je m'appelle Maxime Buisson, j'ai 15 ans actuellement, je suis né le 29 septembre 2005. Et j'habite aux Abrais et je connais très bien Antoine qui est mon gérant d'association. Et avec lui j'ai fait plein de choses. Ce que j'ai fait, j'ai nettoyé le pont de la Loue. Donc je vous mettrai quelques petites photos au montage. Vous allez voir la maison du philosophe dont Louis Franchon allait voir le philosophe. Et vous allez voir que j'ai fait beaucoup de progrès, donc je vous mettrai un petit montage vidéo, un petit reportage photo que j'ai fait vers la fin. Donc voilà. Ensuite, on enchaîne. Quelle est ma fonction? Je suis secrétaire de l'association et je suis... responsable du site et de l'informatique de l'association. Neuvième question. Ai-je une chaîne YouTube? Oui, j'ai une chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube sera affichée dans la description. Et puis elle sera aussi affichée juste à droite quand la fin de la vidéo sera finie. Et ai-je ma chaîne dessus. Qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement du montage. Je fais tout simplement une première dédicace à Arnaud, un youtubeur. Autrement, je fais plein de lives. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Vous verrez, bon, il y a quelques lives qui sont un peu merdiques.
Mais voilà. Et autrement, allez jeter un coup d'œil aussi sur toutes les vidéos. Je fais des TikTok, tout ça. Donc je vous mettrai tous mes liens en description et tous les liens de la chaîne franchement en description. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à aller me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui seront en description. Et sur tous les réseaux de Franchon, exceptionnellement. Donc c'est la première vidéo, donc on n'en fera pas beaucoup. Donc j'aimerais bien que vous abonniez. Franchement, abonnez-vous, ça fait plaisir. Ça, et faites une petite donation sur le compte PayPal que je vais vous donner, voilà. Et puis comme ça, l'association aura un petit peu de sous et puis on pourra avancer un peu mieux. Après, c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu la vidéo. Allez vous abonner, abonnez-vous au compte YouTube. Nous sortirons rarement des vidéos, nous en sortirons que quand il y a des expulsions ou quand il y a des imprévus ou journée spéciale. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, lâchez un petit pouce bleu, tu lâches le petit pouce bleu en l'air, tu fous le petit pouce bleu en l'air. Tu t'abonnes, t'actives la petite cloche de notification, c'est important pour voir mes nouvelles vidéos. Et sur ce, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, ciao tout le monde!